Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le 11 octobre 2021 au sommaire de cette émission. Une semaine après le rapport du... Après la remise du rapport de la CIAZ sur les violences sexuelles dans l'Église, sa hiérarchie se crispe, les politiques sont aux abonnés absents ou presque, et les croyants, depuis quelques jours, ils se mobilisent autour du mot d'ordre « Aussi mon Église » et réclament des changements. Mais l'Église peut-elle et doit-elle changer? On se penche aujourd'hui sur l'éléphant dans la pièce, l'Église comme ultime baston du patriarcat. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Octobre, remise du rapport sur les violences sexuelles dans l'Église. Il y a d'abord eu cette phrase forte de l'évêque Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi, mon désir en ce jour est de vous demander pardon. Pardon à chacune et à chacun. Mais quelques minutes plus tard, déjà, un changement de ton. La CIAZ nous fait des recommandations. Le principe même des recommandations, c'est qu'il faut les recevoir avec sérieux, avec intelligence, mais aussi avec un certain discernement. Nous verrons bien ce que nous pouvons en reprendre. Et le même, le lendemain, sur France Info, pose une nouvelle limite. Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera. Elle est plus forte que les lois de la République. Et en ce sens-là, elle est plus forte que les lois de la République. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a convoqué le président de la CEF pour ses propos, mais pour le reste, les réactions politiques sont plus que faibles au regard de l'ampleur des faits révélés par la CIAZ. Je le rappelle, c'est quand même 330 000 victimes à minima. Au sommet de l'État, il y a bien eu une courte réaction d'Emmanuel Macron en marge d'un sommet européen. D'abord, je salue le travail fait par Jean-Marc Sauvé pendant de très longs mois. Salue aussi... l'esprit de responsabilité de l'Église française qui a décidé de regarder ce sujet en face. Et à la convocation de Darmanin s'est ajoutée la réaction du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui aussi sur le secret de la confession. Il n'y a pas d'autre loi que celle de la République dans la République. Il faut être clair, il n'y a pas de loi de l'Église dans la République. Mais c'est à peu près tout du côté exécutif. Alors le couvercle est-il déjà en train de se refermer? Pas si sûr, en témoigne, j'en parlais tout à l'heure, cette mobilisation autour du hashtag Aussi mon Église ou bien MyChurchToo, des tweets qui appellent pour la plupart à un changement profond dans l'Église. Et puis cet appel lancé aujourd'hui par François Deveau, cofondateur de l'association de victimes La Parole Libérée, Christine Pedotti, la directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens, et la théologienne Anne Soupa. Un appel à la démission des évêques jugé comme la seule issue honorable. Alors Anne Soupa avait déjà tenté de mettre un coup de pied dans la fourmilière ecclésiale, c'était en 2020. Elle avait posé sa candidature pour succéder à Monseigneur Barbarin, emportée par l'affaire Prena. Elle justifiait son geste en ces termes. Les femmes manquent dans l'Église et pour moi, c'est même le problème majeur de l'Église. Ça fait mal de voir que la résistance est si farouche alors que l'évidence saute aux yeux de tout le monde. Mais la résistance, elle, s'est confirmée. Le pape a fini par nommer en octobre Olivier de Germay, proche des milieux traditionnels. Alors, dans leur appel, les trois signataires suggèrent aussi au pape de nommer comme légat, c'est-à-dire représentant officiel du pape, Véronique Margron, la présidente de la COREF, qui représente les religieux et religieuses. Véronique Margron, nous l'avions interrogée lors de la remise du rapport de la CIAZ, et pour elle, la place des femmes dans l'Église est un vrai problème. Il n'y en a pas assez des femmes dans la gouvernance ? Dans la gouvernance générale de l'Église, ça, de fait, je peux vous dire qu'il n'y en a pas assez. Ça, c'est pas difficile. Après, parce que pareil, Monseigneur de Moulin-Beaufort dit qu'il y a déjà beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans les instances. Sous-entendu, il y en a assez. Il y a des femmes dans les instances locales. Après, c'est plutôt quand vous montez d'un échelon sur la gouvernance du diocèse lui-même, a fortiori la participation aux instances de la gouvernance globale d'un pays, par exemple l'Église de France ou d'ailleurs. Peu de femmes dans l'Église de France. À la fois beaucoup, mais en haut. Voilà, tout dépend à quel niveau, en quelque sorte. La place, ou plutôt la non-place des femmes dans l'Église, un monde d'hommes, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Laurence Poujade, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Sentinelle. C'est une association pour la défense des intérêts de toute personne face aux situations d'abus physiques, psychologiques ou spirituels en milieu communautaire chrétien. Sabine Sauret, bonjour. Vous êtes
co-autrice sous le nom de plume de Alice Chablis du livre Le Déni, sous-titré Enquête sur l'Église et l'égalité des sexes, et qui est paru en 2014. Antoinette Fréty, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, notamment de l'association Parler et Revivre, c'est l'association d'Olivier Savignac que nos lecteurs et spectateurs connaissent. Et Jocelyn Tricou, bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Des soutanes et des hommes, enquête sur la masculinité des prêtres catholiques, paru en septembre de cette année. Et vous êtes aussi, je le précise, un des quatre auteurs de l'étude très approfondie de l'INSERM sur les victimes de la pédocriminalité dans l'Église, rapport dont nous avons beaucoup parlé sur Mediapart. Alors, à tous pour commencer, un mot, un seul, pour qualifier la réaction des évêques de France au rapport de la CIAZ, Laurence Poujade, en un mot. En devenir, je pense que c'est quelque chose qui va s'approfondir. Jocelyn Tricou. Je pense que c'est une réaction extrêmement dispersée, malgré le sentiment d'unanimité que donne son président. Mais derrière, je ne suis pas sûr que tous les évêques partagent le sentiment d'urgence, le sentiment de crise et de radicalité qu'il se doit face au constat. Sabine Sorey. Si c'est un mot, je dirais bloqué. Je pense qu'il reste bloqué. Les quelques évêques que j'ai entendus cette semaine, je n'ai pas tout entendu, mais... ils ne peuvent pas s'empêcher de faire une phrase qui bloque. Et vous, Antoinette Fréty ? Je dirais déconnecté. Déconnecté de la réalité, de ce que révèle le rapport et de ce qui est attendu par ceux qui ont été victimes ou de leur propre église d'ailleurs. Mmh. Alors, Sabine Sorey, je voudrais commencer par vous et votre livre. Il a été publié en 2014 et son sous-titre ou sa phrase d'accroche, je ne sais pas comment on peut dire, c'est « Ils sont au pouvoir, elles sont au service ». Donc déjà, vous dénonciez le monopole masculin du pouvoir dans l'Église catholique et toutes les violences qui en découlent dans la société. Expliquez-nous un peu comment est né ce livre, peut-être, et ce qu'il raconte. L'idée, c'était, on ne comprenait pas très bien, avec l'expérience qu'on avait d'engagement dans l'Église, pas très bien pourquoi ça fonctionnait comme ça, pourquoi les femmes ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas poser de questions, mais par contre, faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, on a essayé d'interroger des femmes en responsabilité, leur parole n'était pas libre, donc on ne pouvait pas écrire. Et on s'est dit, ah ben, y a un truc qu'on peut faire, on peut avoir une source très intéressante et très importante, c'est ce que ces messieurs, tous ces messieurs d'église, ont écrit, ce qui s'appelle la tradition, c'est-à-dire le droit canon, le catéchisme, toutes les encycliques, toutes les homélies du pape Jean-Paul II en particulier, il y en a beaucoup, beaucoup. Et quand vous comparez par exemple Léon XIII et Jean-Paul II, c'est intéressant. Et donc on a lu tout ça. On a lu tout ça et on a cherché non pas seulement ce qui était dit sur les femmes, mais ce qui était dit aussi sur les hommes. Et c'est là où nous, on a découvert des trucs quand même beaucoup plus que ce qu'on attendait par rapport aux quelques hypothèses qu'on avait. Et on a vu à quel point, je reprends le mot bloqué, il y a un blocage conscient du rapport homme-femme qui est un rapport de domination totale, vraiment totale à tout niveau. Alors là, c'est ça qui pour nous est formidable dans ce rapport, si je puis dire formidable étant donné le sujet, c'est qu'en fait, ils ont fait apparaître le système. Notre livre est construit en montrant un système qui est cette domination des femmes, mais aussi des laïcs, et là, tu l'as bien montré aussi dans ton livre, et qui fait qu'on ne peut pas passer outre. Voilà. Et ça explique la situation des femmes dans l'Église, et elles sont au service, et elles sont au pouvoir. Et si je peux ajouter encore quelque chose, c'est que ce qui nous a beaucoup choqués, c'est de constater, de voir qu'il y a une parole qui revient régulièrement chez les évêques, et le pape, c'est... Eh bien, le pouvoir, c'est le service. C'est-à-dire qu'il se donne une image de service, puisque c'est quand même le message de l'Évangile, en gros, alors qu'en fait, ils sont au pouvoir et qu'ils ne veulent pas vraiment le reconnaître. Votre livre n'a pas forcément très bien plu dans les milieux catholiques. Ah, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. On a été beaucoup censurés, beaucoup injuriés. Le Point a fait des pages très, très difficiles à entendre pour nous. Il y a eu quand même une réception relativement large aux marges de l'Église, chez les protestants et dans la société civile. Même le Sénat, l'Assemblée nationale a été intéressée par ce qu'on a fait. On a été auditionnés aussi. Donc il y a eu une réception. Voilà. Mais l'Église a été très très violente et ça a mis un petit peu en danger même
l'éditeur. Laurence Poujade, j'en viens à vous. C'est en 97 que votre engagement contre les violences dans l'Église commence, à tout le moins. Et peut-être racontez-nous un peu comment vous en êtes venu à présider l'association Sentinelle. Alors en 97, pas tout à fait, puisque j'étais moi-même victime de violences sexuelles. Donc le temps que je réalise et que je prenne mes distances avec la communauté des Sœurs apostoliques de Saint-Jean, c'était plutôt 2002. Mais je n'ai fait que rejoindre l'initiative d'une femme, ma mère, Françoise Poujade, qui a lancé l'association Religieuses et Familles. Et le rapport Sauvé montre bien et met les femmes à l'honneur, puisque ce sont elles qui ont lancé l'alerte. Je pense à Marie Jotil, je pense au docteur Chartier-Sibène. Donc je n'ai fait que me joindre finalement à ce que certaines femmes ont senti, que ça ne pouvait plus continuer comme ça, et que de ma place, avec l'expérience que j'avais, il fallait que je commence en fait à prendre en charge cette question, ne pas la lâcher, et c'est ce que je fais depuis 20 ans, 2002, voilà, on est presque à 2022. Justin Tricou, cette place particulière des femmes comme lanceuses d'alerte, vous l'évoquez un peu dans le rapport et vous dites en même temps c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, il y a aussi, en guise de lanceurs d'alerte, il y a aussi un certain nombre d'ecclésiastiques. Alors, des ecclésiastiques qui sont parfois aussi des militants de la reconnaissance et de la banalisation de la cause homosexuelle dans l'Église. Et ça va ensemble en fait. Des gens qui du coup regardent non pas la sexualité comme quelque chose de tabou, de forcément pécamineux, mais qui regardent la sexualité comme quelque chose de complexe. Et on n'est pas sans savoir que dans les milieux militants féministes et les milieux militants LGBT, ça circule les idées parce que en fait, les minorités sexuelles et la minorité des femmes au sens de l'oppression, hein, pas au sens du nombre, a quasiment des ressorts qui sont très similaires. Alors, je vous ai interviewé, Jocelyn Tricou, la semaine dernière pour Mediapart sur le site. Et dans cette interview, vous dites à propos de ce pouvoir patriarcal dans l'Église que c'est, je cite, « le cœur du réacteur, y toucher, c'est prendre un gros risque d'explosion nucléaire ». Après le rapport de la CIAS, est-ce que vous avez une idée de l'état du réacteur ? J'ai eu beaucoup de... Alors autant mon enquête, le livre a suscité des suspicions à mon égard dans l'Église, et là, la veille ou les jours suivants, j'ai reçu beaucoup de messages de prêtres qui me disaient ben, merci de l'avoir fait et qui sont conscients en fait du hiatus, du paradoxe que construit l'Église entre ce que je dis dans le livre, une patriarcalité décomplexée, et en même temps une institution habitée par des hommes qui profitent de cette patriarcalité décomplexée, enfin inscrite dans la structure et dans la culture de l'Église, tout en n'étant pas toujours conformes au canon de la masculinité hégémonique, et qui sont aussi conscients du hiatus entre la vision de l'Église des femmes, des homosexuels, de la sexualité où le consentement est devenu nodal aujourd'hui et dans la sexualité catholique non, et paradoxe entre ça et un désir assez partagé d'égalité entre les sexes et les sexualités. Antoinette Fréty, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, et qu'ont pensé vos clients des retours que vous avez, à la fois du rapport de la CIAS, de la conférence de presse, des réactions des évêques? D'abord, la CIAS, le rapport de la CIAS, il était très attendu par les victimes que j'ai pu, avec mon frère, assister. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours l'impression de prêcher dans le désert quand on parle du caractère systémique. À chaque fois qu'on s'est heurté à un dossier, on a toujours l'impression que c'était un individu, auteur, plusieurs victimes, certes, mais finalement, c'était ce n'avait rien de surnuméraire. Et on avait beau expliquer que c'est systémique, que le nom d'Annonciation, c'était aussi lié à une logique institutionnalisée de l'Église, notamment des évêchés, de ne pas révéler des auteurs pour ne pas avoir à gérer cette problématique en interne, et qu'il y avait une grande question de sexualité, mais on se retrouvait bien seul. Et c'est vrai que le rapport de la CIAS là-dessus, et d'une part, ça va nous faciliter grandement la tâche, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses, mais surtout, ça confirme en fait ce que l'on dit depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que il n'y a pas
simplement un auteur, il y a une institution qui le protège pour surtout s'auto-protéger elle-même. Donc il est vrai que ce rapport, eh bien, d'abord, je pense que parmi toutes les victimes qu'on a pu accompagner, il n'y en a pas une qui regrette que la commission Sauvé soit tenue, il n'y en a pas une qui soit ravie du travail qui a été effectué, et je crois qu'elle ne fait que confirmer ce que l'on dit tout à chacun autour de cette table depuis des années, et que l'Église refusait d'entendre, et parfois aussi les institutions judiciaires, parce que je ne suis pas une théologienne moi-même, je suis qu'avocat, c'est vrai qu'on a des ordres qui sont parfois un peu proches, mais il est vrai qu'on s'est heurté bien souvent à des refus de l'institution judiciaire. On n'attaquait pas l'Église en France. D'accord, on pouvait sanctionner l'auteur, mais aller chercher l'autorité qui n'avait pas répondu sur l'obligation de dénonciation, ben c'était plus compliqué. J'ai pour mémoire le dossier, et c'était mon frère d'ailleurs qui était à son origine, le dossier d'Olivier Savignac avec Mgr Faure sur la non-dénonciation de Mgr Faure dans le cadre du dossier de l'abbé de Castellet. Il a fallu 5 ans pour qu'il y ait une mise en examen de Mgr Faure, 3 juges d'instruction différents et un nouveau procureur pour que cela se fasse. Donc c'est vrai que ce rapport, au moins, il a l'avantage d'arriver. Et d'accord, il apparaît pour le reste de la population civile comme étant quelque chose qui est une déflagration, le cœur du réacteur, voilà, une explosion nucléaire. Cela étant, il révèle ce que nous savions déjà et que nous crions et que nous avions l'habitude de crier dans le désert. Et pour une fois, bah, ça y est, il y a au moins quelque chose de solide, de construit, qui vient confirmer ce que l'on a soutenu. Laurence Poujade, vous voulez réagir ? Oui, ça serait intéressant aussi de replacer en perspective, parce que le temps long que nous avons au point de vue associatif nous permet aussi de dire que il y a une époque où personne en fait ne voulait parler. Les journalistes nous traitaient de malveillants, voilà, nous n'avions aucun écho nulle part. Et donc c'est vraiment aussi l'accélération due aux réseaux sociaux, aux nouveaux moyens de communication. Qui a fait que certaines affaires dont nous entendions parler, les victimes ont pu se mettre en lien. Donc il y a ça aussi qui fait que ça prend une ampleur et que ça fait l'effet d'une déflagration. Mais il y a quelque chose, c'est aussi toute la société qui a freiné. Et les gens pensent aussi que la définition du viol n'a jamais évolué. On reproche même aux familles d'enfants mineurs de ne pas avoir dénoncé, alors que l'état du droit ne le permettait pas, voilà. Donc il y avait une jurisprudence qui les tribunaux faisaient ce qu'ils pouvaient, mais on est quand même dans une civilisation patriarcale où le viol était considéré par rapport à la femme qui était la propriété du mari. Et d'ailleurs j'observe que en Europe il y a que 12 pays qui ont retenu le seul consentement pour qualifier le viol. La France n'en fait pas partie. Donc c'est possible aussi qu'il y ait d'autres évolutions de la définition du viol. Donc, à l'intérieur de ce mouvement de société, l'Église se situe face à une épreuve, et j'aime bien le titre de Madame Céline Béraud, le catholicisme à l'épreuve des abus sexuels, parce que c'est aussi quelque chose qui vient la reconfigurer, lui redonner une nouvelle manière de se positionner dans la société. Ça ne touche pas que les abus sexuels, ça touche bien évidemment la place des femmes et la place des laïcs. Après, ça dit. Oui, pardon. Je t'en prie, Joseph. Là-dessus, on peut noter que les révélations, avec toute la charge dramatique que ça représente pour les victimes, viennent reconfigurer totalement le catholicisme français, en tout cas, parce qu'on sort d'une séquence, celle de la manif pour tous, où ce courant particulier s'est imposé comme le seul courant légitime pour représenter le catholicisme, à l'issue de ce combat qui a été perdu d'un point de vue judiciaire, mais en fait qui est un combat gagné au sein de l'Église, parce que ces gens-là se sont imposés, ont fait que les autres étaient invisibles, on était mal parti. En fait, c'est seulement les révélations de violences sexuelles, notamment l'affaire Prena Barbarin qui a eu ce retentissement, qui a permis aussi de voir réémerger un certain nombre de questions, et vous citez Céline Béraud, et elle le dit très bien dans son livre, des questions qui étaient ringardisées, cornérisées, traitées les questions de la place des femmes, tout particulièrement, qui étaient vues comme une question de progressiste, de catho de gauche, etc. Et aujourd'hui, un certain nombre de catholiques conservateurs, notamment ceux qui s'inscrivent dans ce mouvement, nous aussi l'Église,
comprennent que, en fait, là, il y a un problème. C'est-à-dire que dans une société où, bon an, mal an, fût-ce à reculons, les institutions acceptent de laisser de la place aux femmes, la seule qui résiste, c'est l'Église. Et à ce titre-là, elle se met en porte-à-faux et ça lui explose à la gueule parce qu'en fait, des institutions où il n'y a pas de femmes, c'est aussi des institutions qui favorisent la violence et la domination masculine. Oui. Alors, je vous donne la parole tout de suite, Simone Sorey. Et juste, pour autant, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que les nouveaux prêtres, enfin, les prêtres qui arrivent, sont plutôt des tradis, en fait. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'à terme, même si pour l'instant, il y a un petit effet de bascule qui revient un peu en arrière. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne sait pas si cette bataille post-SIAS va être gagnée, c'est-à-dire que là se jouent des fidèles qui se constituent en société civile, ce qui est déjà un premier pas dans l'Église, hein, parce que l'infantilisation des fidèles a longtemps prédominé, notamment accepté et intériorisé par les fidèles. Et là, donc, il y a des fidèles, y compris des conservateurs, qui se rebellent, j'allais dire, et qui vont s'affronter à une hiérarchie catholique qui est effectivement aujourd'hui plutôt conservatrice. On va voir ce que ça donne. Sabine Sorey. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire et sur ce que tu as dit tout à l'heure, en particulier sur le patriarcat décomplexé. Je trouve que c'est très juste. Nous, ce qui nous semble, avec Agnès, c'est que ce à quoi ils se heurtent, c'est que leur droit canon est vraiment totalement obsolète. C'est-à-dire qu'il y a par exemple trois canons que je peux citer rapidement. Ils sont très courts, mais ils sont très parlants. Seul un homme peut recevoir validement l'ordination sacrée. Un autre canon, seul un ordonné a la capacité de gouverner l'Église. On a deux exclusions des femmes. Et un troisième, qui prône donc le célibat des prêtres, et qui en alinéa dit « ils devront se garder des personnes qui peuvent mettre en danger leur célibat ». Donc on a la misogynie en direct. Et ces trois canons-là, ils sont fondateurs de tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sacrement qui va tenir si on détruit, on déconstruit ces canons-là. Et je pense que le canoniste là, que vous aviez invité, enfin, qu'il y avait un autre journaliste, j'avais envie de lui dire, j'avais envie de téléphoner et puis de dire, mais vous êtes canoniste, vous êtes spécialiste, vous n'avez jamais lu les canons là, qui disent qu'il n'y a que vous, que seuls les ordonnés peuvent gouverner, que vous êtes en train de tout mélanger les pouvoirs, que... voilà. Et je rajoute quand même quelque chose, c'est que tout ça est bien verrouillé parce qu'ils ont le pouvoir de la parole. Et que ça, moi, je l'ai vécu comme engagée dans l'Église, parler, poser des questions, questionner. Ça n'est pas possible. Et moi, quand j'ai démissionné de la Cato, c'est parce que je ne pouvais pas parler. Alors, Antoinette Fréty, Laurence Poujade, puis Jocelyne Fécouille. C'est trop long, on est là pour ça. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'on est en train d'avoir un échange qui est remarquable et je pense qu'on a tous réfléchi autour de la table sur ces questions-là et donc c'est un vrai plaisir de vous écouter toutes et toutes. Juste un petit point, je reviens juste sur le rapport de la SIAS. Il y avait un point, parce que justement on était là pour parler quand même de la place des femmes. Moi, ce qui m'a intéressé dans le rapport de la SIAS, c'est qu'effectivement, on avait tout ce côté, évidemment, pédophilie. Mais ce qui était très intéressant, c'était aussi les adultes vulnérables. Mmh. Et parmi ces adultes vulnérables-là, il y a des femmes. Et il y a beaucoup de femmes. Elles peuvent être sœurs. Parce qu'on entend dans la vulnérabilité aussi des gens qui sont sous emprise. Et ce qu'on a découvert, enfin, ce que nous savions déjà, mais ce que met en avant ce rapport de la SIAS, c'est ces communautés nouvelles dans lesquelles il y a des femmes aujourd'hui qui sont en état d'asservissement. Et je mesure mes mots, je les pèse. Donc voilà. Et en fait, on ne peut concevoir que ces femmes-là soient sous cet état d'asservissement, je veux dire, c'est quasiment assimilable à de l'esclavage, que si on prend en considération la façon dont on considère la femme en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle n'est bonne qu'à travailler et à servir l'autre. Et l'autre, c'est généralement l'homme. Et si en plus, avec ça, elle est assez sympathique et qu'elle veut bien subir quelques abus sexuels de temps en temps, eh bien c'est parfait. Voilà ce qu'on découvre aujourd'hui, enfin, ce que nous on savait, mais au moins il y a aujourd'hui un rapport qui est sur la place publique. Aujourd'hui,
Il n'y a pas que des enfants qui ont été victimes au sein de l'Église. Il y a des sœurs, il y a des personnes qui vivent dans des communautés nouvelles et qui sont aujourd'hui, à mon sens, la prochaine grosse sujet que va affronter l'Église. Il n'y aura pas que la question de la pédophilie, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont en communauté nouvelle et qui souffrent également. Qu'est-ce qu'on fera aussi de l'emprise et de la gestion de l'emprise? Parce qu'on découvre tout juste ces mots, mais je peux vous assurer que judiciairement, c'est compliqué. Or, on ne peut concevoir aussi cette place de la femme victime et soumise que si on prend en considération ce que ça implique au niveau emprise et au niveau des textes religieux. Mmh. Ouais. Donc, Jeanne, vous voulez réagir aussi? Sentinelle, risque d'emprise communautaire, c'est notre sous-titre. Donc, vous pouvez me le trouver. Ce que je voulais souligner, c'est par rapport au rapport, puisque c'est ça l'actualité, il pointe le droit canonique en disant que vraiment il n'y a pas de respect du droit de la défense et que la victime est exclue, n'est pas informée. Alors peut-être que maintenant elle est informée à la fin, mais c'est tout juste. Et en tout cas, pour l'avoir vécu, on est quand même dans le droit du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas relire sa propre déclaration, qu'on ne peut pas évidemment être assisté d'un avocat parce que c'est lui qui détient toutes les pièces, mais c'est une façon d'être considéré comme une mineure. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et le rapport le souligne. Après, moi je ne serai évidemment pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce que je considère que l'Église a droit de s'organiser aussi comme elle le souhaite, et on ne peut pas mener tout de front. Je pense que déjà, la question des abus sexuels, c'est déjà énorme, donc si en plus on entre dans le côté dogmatique et la façon de concevoir le culte, c'est à mon avis un autre aspect. Mais je trouve que c'est quand même néanmoins très important, et dans cette histoire associative, donc il y a deux périodes, l'association Religieuse et Famille, puis Sentinelle. Et je vois bien que même les journalistes de presse écrite sont gênés, puisque j'ai eu les deux casquettes, j'ai été présidente des deux associations, mais il faudrait que je raye de la carte parce que certains hommes ont trouvé intéressant de récupérer l'association en cours de route et que j'élimine l'histoire. Mais je ne le peux pas. Donc il y a quand même des choses à prendre en compte et une vision patriarcale des journalistes eux-mêmes à modifier. Alors, Jocelyn, je vous donne la parole, mais juste peut-être pour rebondir là-dessus, je cite votre rapport, et après vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, mais je cite dans le rapport de l'INSERM, vous dites explicitement « Tant que l'Église refusera de renoncer au monopole masculin du pouvoir et sa métaphorisation paternelle, le risque de violence sexuelle au sein de l'Église catholique restera d'actualité. » En fait, c'est presque une réponse à Laurence Poujade sur le côté « on peut séparer les deux ». Alors, je voudrais juste revenir sur la question femmes, mais en fait, ça va revenir à j'imagine bien. Vous avez raison de souligner que les religieuses et les femmes consacrées dans les communautés nouvelles sont aussi des victimes. Ça n'a pas été totalement gagné, parce que dans la lettre de mission des évêques, c'était pas si clair que ça. La CIAZ, puis l'équipe INSERM, a voulu l'entendre comme ça, et nous avons, et je rends hommage à ma collègue Julie Ancien, qui a coordonné cette partie sur les religieuses et les femmes consacrées, une enquête, et je souligne juste comme ça, et c'est pas du tout une pique à l'égard de la CIAZ, mais oui, j'espère que vous avez noté que pendant la conférence de presse de remise du rapport, la question des religieuses n'est pas que parce que une personne dans la salle l'a posée. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas citée. Les chiffres sont cités dans le rapport. Tout à fait. 15 000 victimes de prêtres pour les abus sur majeurs et 35 000 si on inclut. Donc là encore, il faudrait que les chiffres. Alors on n'a pas d'enquête quantitative, on a une enquête qualitative de ma collègue Julie. Et alors, donc ça ramène à la question, c'est que. La question du patriarcat, c'est une institutionnalisation bien particulière de la domination masculine, puisque ça consiste à littéralement être le pouvoir des pères. Et vous le disiez, dans la loi française jusqu'à pas si longtemps, le père avait tout pouvoir, à la fois sur les femmes et les enfants. Et en fait, l'Église est construite aussi comme ça. Ces pères, qui sont des pères symboliques, mais néanmoins avec des effets réels, ont tout pouvoir à la fois sur les femmes et les enfants. Et à ce titre-là, bien sûr que le droit français a détricoté ce côté patriarcal, même si les pratiques persistent, il se trouve que grâce au calcul des prévalences comparées entre institutions, on montre qu'effectivement les systèmes patriarcaux, soit par habitude et routine,
comme la famille, soit par revendication comme l'Église, génère plus de violence, facilite en tout cas l'exercice des violences. Donc là, il y a une vraie question. Et on voit bien, par exemple, dans l'école, puisque souvent la stratégie de diversion d'un certain nombre de catholiques, c'était de dire « oui, mais dans l'école aussi, il y en a des abus. Si ça se trouve, il y en a même plus. » Eh bien non, il y en a moins. Et dans l'école, le statut du maître ou de la maîtresse, de l'instituteur, de l'institutrice, n'est pas attaché à un sexe. Et puis il y a des hommes et des femmes, il y a même plus de femmes. Eh bien, de fait, ça génère moins de violence. Et de la même manière, il n'est pas sacralisé, comme dans l'Église. Donc on voit bien que là, il y a un nœud, et moi, c'est ce que j'appelle le verrou sacerdotal, qui lie beaucoup de choses, sexisme, domination, etc. Et tant que l'Église ne s'affrontera pas à questionner ce nœud, voilà. Libre à elle, effectivement, de donner les réponses qu'elle veut, mais à questionner ce nœud, elle n'y arrivera pas. Mais le problème, c'est que l'Église s'est construite autour de ce nœud, y compris par opposition au protestantisme, dans lequel ça était beaucoup plus facile d'accepter le nouveau horizon normatif qui est l'égalité entre les sexes et les sexualités, parce qu'il n'y a pas ce nœud. Alors, Antoine Frétien, c'est passionnant ce que vous venez de dire, monsieur, parce que ça... Je pense à des victimes, notamment, qui ont appelé des femmes, hein, femmes adultes sous emprise, donc que je considère vulnérables, et qui appellent leur agresseur toujours « mon père ». Et c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand on appelle son agresseur, son violeur « mon père » et qu'on est encore dans une soumission intellectuelle, on a quelque chose on a une situation qui est là pour créer un danger. Quand les choses ne sont plus en place, et la question sacerdotale est essentielle, parce que la place du prêtre, c'est quand même un surhomme dans la religion catholique. C'est celui qui est un peu le représentant, manifestement, de Dieu au moment de la messe. En tout cas, sa parole est essentielle. Donc il y a tout, si vous voulez. Lorsqu'on ne remet pas en considération ce côté surhumain, cette surhumanité, ou en tout cas qu'elle ne s'accompagne pas d'un esprit critique, ou suffisamment critique, vous avez tout ce qu'il faut pour créer, in fine, une situation d'agression. Ça, je crois que la question du sacerdoce et de la représentation de cette force comme étant un pouvoir de prédation, et c'est ce que révèle aussi le rapport, hein, c'est que ce pouvoir, ce sacerdoce a été un moyen d'être un moyen de prédation vers des victimes majeures mineures. Sabine Sauret, j'ai réécouté une interview de vous juste après l'élection du pape François. Vous espériez un décentrement de l'Église par rapport à Rome. Enfin, vous mettiez un peu d'espoir quand même dans l'élection de ce nouveau pape. Oui, c'est vrai. Huit ans après, qu'est-ce que vous en dites ? Huit ans après, j'étais déçue assez vite puisqu'il a dit que le pouvoir c'était le service dès le départ, quoi, sur son premier serment sur Saint-Joseph. Donc bon, je pense que c'est totalement accablant. C'est quelqu'un qui est forcément accablé par le problème, qui n'a certainement pas l'âge de traiter ce problème-là. Et je pense que les questions dont on parle ne sont pas dans son logiciel, en particulier, alors pour ne pas être d'accord avec vous, d'isoler la question des abus. Je pense que moi, il y a une continuité. Et la continuité, moi je l'ai lu dans le rapport, c'est le mot emprise et c'est le mot système. Et le mot emprise, si vous voulez, nous ce qu'on a essayé de comprendre, c'est comment ça fonctionnait cette emprise. Et en fait, ce sont les dogmes, c'est le droit, c'est la théologie. C'est les histoires qu'on nous raconte, c'est les archétypes. Marie qui dit oui, qui est soumise. Et puis, qui va dire « Je suis la servante du Seigneur, le service, il est là. » Et c'est utilisé partout dans les encycliques. Et qui, surtout, après, se tait. Donc, on a bien l'archétype de la femme soumise, le fiat, qui ne parle pas, surtout ne parlez pas, madame. Voilà. Et en fait, là aussi, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, et encore une fois, pour déconstruire l'emprise, c'est la question affective. En fait, les catholiques sont souvent des gens de très bonne volonté, qui ont envie de s'occuper des autres, qui sont chouettes, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve, pour moi, presque pervers, c'est qu'on va utiliser leur bonne volonté pour faire fonctionner leur empathie, leur compassion, pour en fait... perdre leur autonomie, perdre leur capacité de conscientionnement,
être au service jusqu'à l'esclavage, ne pas savoir même qu'elles font ça, et ne pas savoir, c'est-à-dire que c'est là qu'on a l'emprise. Et les enfants sont dans le même esprit. Et les enfants aussi, on leur dit, il faut être gentil, on t'apprend ça, faut dire au père. Tu vas faire ça, il faut dire au père, il faut confesser tes péchés. La question du péché, on ne va pas en parler là, mais... voilà. Non. Bon. Non, c'est pour dire que je pense quand même que la continuité entre ce rapport, ce que nous on a essayé de comprendre en travaillant les textes de l'Église, tout ce que tu nous dis sur ton travail sur les masculinités, il y a une telle continuité que si on est obligé de le traiter tout ensemble. Je crois, c'est ça qu'ailleurs qui est difficile pour les évêques. Hein, et c'est quand même eux qui sont en charge, hein, c'est eux qui font les lois. Justin Tricou, est-ce qu'il y a une conscience, au moins dans une partie de l'Église, du problème posé par justement ce monde patriarcal et masculin ? Écoutez, c'est difficile, oui, bien sûr, mais cette conscience, elle est très forte chez un certain nombre de catholiques plutôt progressistes, plutôt... âgés, plutôt intellectuels, mais qui est assez inaudible en partie. Je pense qu'une partie des fidèles conservateurs prennent conscience aujourd'hui. Néanmoins, parce que là, aujourd'hui, c'est flagrant. Et le coup de massue qu'ils ont reçu, puisque coup de massue, c'est une expression qu'on a entendue, que j'ai moi-même reçue de la part de prêtres qui m'ont dit on s'est pris un coup de massue, est à la hauteur de l'illusion qu'ils se faisaient ou du refus de voir qui se faisait de ce système-là, notamment entretenu, comme tu le disais très bien, par cette espèce d'euphémisation du pouvoir sous le vocable du service, cette désexualisation du prêtre sous couvert de cette vision plus ou moins angélique, etc., et de cette soumission acceptée, en fait. Alors, ce n'est pas pour jeter la pierre aux fidèles, parce qu'en fait, l'Église profite. Ouais. Et les prêtres, s'ils sont honnêtes, ils sentent bien le problème, mais en fait, ils ont tout intérêt à ce que le système reste comme ça. D'autant plus qu'ils sont de moins en moins nombreux, donc en fait, ils bénéficient d'un système. Alors, peut-être pas au niveau du prêtre de base, mais en tout cas, la hiérarchie ne sait pas comment penser autrement le catholicisme. Encore une fois, parce que en fait, ils sont les privilégiés de ce système-là. D'autant plus qu'ils sont plutôt âgés, il n'y a pas d'évêques jeunes, ils sont plutôt hommes, parfois ils sont même marqués par des sexualités minoritaires qui sont inavouables, et du coup ils surjouent, quand je vous disais patriarcat, décomplexés, c'est aussi parce qu'ils sont complexés, pour certains, à l'intérieur. Et comme ils ne donnent pas la place aux autres, je vous donne un exemple tout simple. Il se trouve qu'il y a quand même des... Et rapide. Il y a des... qui m'a été rapporté. Il y a des commissions qui travaillent depuis le début de la sieste, au sein même de la Conférence des Évêques de France, sur comment... parce qu'ils sont aussi, ils ne veulent pas perdre la main, donc comment on met en place des choses. Et ces commissions ont intégré une partie de victimes, et y a une victime qui était atterrée d'entendre un évêque dire « Bon, alors d'accord, j'ai réfléchi au consentement, et donc j'ai écrit une fiche sur le consentement de la part de quelqu'un qui n'a pas travaillé là-dessus, alors qu'il y a des expertes et des experts en consentement. » C'est compliqué. Enfin, ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher à l'extérieur de l'Église des experts sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas, tout simplement parce qu'ils sont aussi dans une logique de forteresse où ils auraient d'abord le savoir, ils l'ont, et toute analyse un peu critique venant de l'extérieur est déjà une attaque. C'est ça. Antoine Fréty. Oui, je rebondis un peu là-dessus. Je trouve que ce qui arrive en ce moment, alors encore une fois, je ne le vois qu'avec mes yeux, moi, de croyante, je trouve que ce qui arrive, c'est assez schismique quand même. On arrive à une Église qui devient... qui se raidit, je trouve, beaucoup. Dans ces prises de position, enfin l'Église que l'on voit, celle que vous avez citée, qui était celle contre le mariage pour tous, etc., qui est devenue assez présente publiquement et se raidit, devient très dure, et finalement, tout un peuple de croyants qui a reçu ce rapport et qui reçoit finalement les derniers propos, par exemple, de Mgr Moulin-Beaufort, et qui le prennent pleine face et qui voit ça comme une forme aussi d'agression et d'incompréhension. Donc je crains pour ma part qu'on soit dans un moment de schisme au sein de l'Église de France. Laurence Poujade, pour terminer. Bien dit, schisme. Schismique. Oui.
Je trouve que c'est ce que vous dites est très intéressant. Moi, j'aurais envie de parler de la proposition 36 du rapport qui vraiment met l'accent sur le rôle des femmes. Donc, plutôt que de parler de ce qui a pu, voilà, bon, il y a des constats qui ont été faits, mais maintenant, on est à une nouvelle étape, on est vers le futur, et le rapport met en avant aussi le rôle des associations de victimes qui doivent être consultées dans le processus. Donc, en tout cas, il y a une perche qui est tendue. Est-ce que l'Église s'en saisira ou pas, je ne sais pas. Mais je trouve que la parole des femmes, elle a à être promue. Et ça ne va pas parfois sans difficulté. Mon audition de la CIAS ne sera pas publiée. On ne sait pas pourquoi. Je fais partie du salon des refusés parce que certains ont décidé que mes propos ne pourraient pas être publiquement connus. Donc, vous voyez, même une victime, présidente d'association qui s'adresse en tant qu'experte à la CIAS, le rapport en séance plénière devient du huis clos. Donc il y a aussi des problèmes qui se posent, et en tout cas des explications à donner. Voilà, donc c'est un long chemin à parcourir. Bah écoutez, on verra, je crois que c'est en novembre, la conférence des évêques de France se réunit, donc on devrait avoir de premières pistes et propositions. Un tout petit mot en tout cas, parce qu'il y a des femmes qui font beaucoup de choses pour l'Église, et je voudrais citer, j'en en parlais tout à l'heure hors de vos caméras, mais Madame Mergron, qui est présidente de la COREF, je crois, si autant de femmes comme elle pouvaient justement prendre, je veux dire, le pouvoir, ou en tout cas les postes de direction qu'il faut, je pense que l'Église avancera beaucoup, et surtout sur ces questions de domination homme-femme et sur la protection des personnes vulnérables et mineures au sein de l'Église. Très sincèrement. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on n'a pas fait tomber le bastion patriarcal. Non, mais on y travaille. Aujourd'hui. On y travaille. Mais déjà, on a fait avancer un peu les choses. Vous restez avec moi encore une petite minute, c'est le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage. Fabien Escalona s'est penché sur les échecs des politiques de state building, dont le fiasco afghan est le dernier exemple, ou comment vouloir reconstruire depuis l'extérieur des états défaillants se heurte aux réalités des sociétés. Aujourd'hui, c'est ouvert à Ouagadougou le procès des assassins de Thomas Sankara, tué en 1987. Rémi Carayol, pardon, revient sur la responsabilité de l'ancien président Blaise Compaoré, accusé de complicité d'assassinat. Il n'assistera pas au procès. Enfin, Iyes Ramdani nous raconte le feuilleton politique de l'élection municipale de Trappes. Ali Rabet, déjà vainqueur en 2020, mais dont l'élection a été annulée, a été élu maire dès le premier tour ce week-end. Il était face à la liste d'Union républicaine, entre guillemets, qui rassemblait l'ancien maire PS et un vice-président de religion LR. À l'air libre, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous.